La tempête approche. Le parfum de la guerre tourbillonne. Et le trône impérial est abandonné. Le destin de Tamriel dépend de la force d'âme d'un simple prisonnier. Le mal s'éveille. Un ennemi oublié s'agite. Ceux qui veulent détruire Tamriel traquent ceux qui menacent leur complot. Et ainsi, la mort tend ses longs bras. En cette 582e année de la Deuxième Ère, les tambours de guerre retentissent. Et ainsi commence notre voyage. Salut, salut les amis, c'est Thomas66 et aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir dans l'introduction et dans le titre de la vidéo sur The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited, autrement dit TESO, en compagnie de Blizzard. Salut Blizz, comment ça va? Salut les amis, c'est Blizzard pour un jeu, je pensais pas du tout l'acheter hein, personnellement. Ah, moi j'aurais fait. 60 m'a totalement donné envie de le jouer et franchement je regrette pas mon achat. Il était à 50€. Nous, on l'a eu normalement, il est à 60€ sans abonnement. Et on l'a eu à 35 sur une réduc de Steam. Ouais, ah, Steam. Donc, ce qui est plutôt sympa. Cool. Donc voilà, alors, cette petite vidéo, ça va être plus une petite présentation. Excusez la vidéo, enfin, l'introduction, elle a un petit peu, il y a un petit bug à la fin, on voit mon personnage. Mais bon, c'est pas dramatique. Sur ce, on va se créer un nouveau personnage. Donc, on va faire une petite présentation, donc déjà. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des The Elder Scrolls, alors déjà, je vais le dire, je pense que Skyrim, de mon côté, ça va s'arrêter. Du coup, je vais laisser le relais à King, histoire qu'il prenne bien tout pour lui, parce que deux séries sur le même jeu, ça risquerait de vous ennuyer sûrement. Donc voilà, donc là, c'est après Skyrim. Non, il y a des cheveux quand même, les couleurs de cheveux, on dirait de la merde. Hein. Donc voilà, donc là, c'est après Skyrim, et donc il y a trois alliances différentes. Donc l'alliance de Dagfilant. Donc les Bretons qui sont spécialistes de magie comme vous avez pu le voir dans Skyrim. Je vous passe l'explication de toutes les spécialisations. Regardez dans Skyrim toutes les races. Regardez dans Skyrim, vous avez déjà fait l'explication de toutes les races. Donc en gros, Dagfilant, les Bretons alliés aux orques, alliés aux Rougegardes. Donc Bretons mages, Rougegardes et orques plutôt guerriers. Ensuite le domaine Almeri. Donc vraiment à la base c'est les elfes hein. Dans Skyrim on combat des fois le domaine Almeri, les hauts elfes. Les hauts elfes qui sont vachement plus. Les elfes qui sont en général vachement plus stylés, vachement plus beaux dans The Elder Scrolls Online que dans Skyrim. Ah vraiment. Carrément. Les elfes des bois. Franchement je pensais vraiment pas me faire un haut elfe dans Skyrim. Mais là je suis en train de m'en faire un donc, Mais tu t'en étais fait un Blid. Ouais. Et ensuite mais le pacte de Cœur Ébène. Pacte de Cœur Ébène. Donc eux qui sont en fait ceux qui doivent s'allier mais qu'ils aiment pas quoi. Parce qu'en fait les Argoniens, c'est les anciens esclaves des elfes noirs qui n'aimaient pas trop les Nordiques. Le problème c'est qu'avec les deux autres alliances qui s'étaient faites, valait mieux s'allier quoi. Voilà. Ouais, donc pour le coup, nous on va se faire on a déjà créé des personnages comme vous avez pu le voir, moi je me suis créé
un elfe noir et Blizz, un nordique, ça vous l'avez pas vu, mais voilà, avec lequel on joue ensemble dans le pack de Kureben. Mon Razzle Ghoul, là, que j'avais créé, l'immortel, c'était un rouge garde, donc dans le tag filante. Et donc là, on va se faire les mecs du domaine Almeri. Donc Blizz vient de se faire un haut elfe normalement. Ouais, ça. Et moi, un haut elfe mage, du coup, tu vas partir sur ça. Et moi, je vais partir sur un elfe des bois plutôt archer. Donc oui, par contre, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 4 classes. Parce qu'en fait, vous pouvez partir du principe, si vous voulez, vous pouvez jouer assassin, arriver furtivement comme ça, avec une hache à deux mains et lui exploser le crâne. C'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre un mec en armure d'acier avec des dagues. Hein, c'est ce que vous voulez. Donc les chevaliers dragons qui sont spécialistes, en gros, des guerriers, clairement. C'est des plus des tanks par contre. Hein. Ouais, ils sont pas mal spécialisés tanks quand Oui. même. Et les paladins, c'est des Et attends, healers. non, non, attends. Ensuite, les sorciers, c'est des mages classiques. Les lames noires, donc ça va regrouper tout ce qui va être assassin. Donc les assassins de base, les archers, tout ça. Et ensuite, les templiers. Donc les templiers, pour vous le dire, vous pouvez vous retrouver avec une armure en plaque et avec un gros bouclier à jouer paladin. Comme vous pouvez jouer avec un bâton et une armure en tissu. À distance pour soigner vos alliés. Donc ça c'est autant un paladin qu'un prêtre, le templier. Ou même qu'un prêtre un prêtre d'en haut, un prêtre noir, hein. DPS aussi, hein. Voilà. Donc Blitz va se créer un sorcier, et moi je vais me créer un lame noir comme Et mon t'as autre expliqué les paladins? elfe. Oui, je viens de le dire. Oh mince, bon. Je suis trop concentré dans ma création de personnage. Donc voilà, moi je vais me faire un lame noir qui va partir sur archer. Alors la morphologie, alors déjà, oui, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire défiler ça. Tiens, là, vous voyez, on a les attirails différents. Donc, je vais mettre en vétéran. Donc, ça vous voyez à quoi ça ressemble pour les hauts elfes. Les attirails vers le niveau 50 à peu près. Oh, les trucs, c'était lesquels que j'aimais bien? Ouais, c'était les hauts elfes que j'avais trouvé vachement sympa. Les Les tenues. oreilles. Je vous ai fait juste défiler, voilà. Rien que celle-ci, honnêtement. Un haut elfe guerrier, ça se voit pas souvent, mais alors là, moi je le trouve extrêmement classe. Ouais, ils sont pas mal, hein. Les guerriers et paladins, ils ont le même Voilà. stuff. Donc pour ouais, pour créer le personnage, alors, il est tout. Ça, il a un gros bédou. Mon elfe. On préfère les mettre sans rien, hein, on voit mieux. À poil! Ouais. On s'en fout, on le met musclé, hein? Alors moi d'habitude, je me suis fait baiser parce qu'avec mon autre personnage, Blizz a fait un nordique et il fait une tête de plus que mon Dunmer. Elfe noir, voilà. Donc j'étais un petit peu déçu. Alors j'espère que ton Altmer là, ton elfe, il va pas faire deux têtes de plus que le mien. Non, je crois que j'ai fait la même taille ou légèrement plus grand, je sais pas. Voilà, alors couleur de peau, oh, il était bien comme ça, hein, couleur de peau, je l'aimais bien. Alors les tatouages. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de créations, hein, comme un peu comme dans Skyrim. Peut-être que je peux vous la passer. Ouais, je peux la passer. Je peux la passer. Allez, je vous la passe. Je vais vous montrer les différents trucs, mais je vous passe tous mes choix. Allez. Ah bah attends, je vais vous montrer directement. Moi, j'ai fini. Voilà, je vous le fais défiler. Tout, comme Skyrim, voire peut-être même plus que Skyrim. Et plus simple aussi grâce à ces petits trucs-là. Ces petits triangles là, ça simplifie les choses, honnêtement. Oui, c'est vrai. Voilà. Allez, à tout de suite. Re les amis, voilà mon personnage, assez sympathique, moi je trouve. Donc oui, dans The Elder Scrolls, d'ailleurs, on peut aussi choisir la voix, donc parmi pas mal de voix qu'on peut voir différemment comme Baston! ça, l'âge, etc. Et moi, ce qui m'a bien fait rire là, c'est dans les ornements. Regardez-moi ces ornements, bon, Deadshot. Voilà, les elfes. Des bois ont des bois. Ça peut se dire comme ça. Hein. Ah. Enfin bon. Donc sur ce, moi j'ai terminé la création de mon personnage. Voilà, je le trouve assez beau d'ailleurs. Hein. Et c'est un elfe des bois. Hein. Vous verrez les elfes des bois dans Skyrim. Oh. Regardez le premier épisode de Skyrim, le mien ou celui de King. Mais alors, vous verrez que c'est pas la même chose. Hein. Bon alors, je l'ai appelé Thomas 66. Non, il n'y a pas de... Wouah, j'avais jamais remarqué, il y a une cage pendue au plafond avec des pics. Je leur spoile pas!
Alors, Six. Ah oui, moi j'ai eu de la chance, hein. 66. Blizzard a été accepté direct. Forcément, moi y a des chiffres. Alors, bon, bah, 66, normalement, ça devrait marcher. Ah oh mince, Bien, j'ai pas voilà. regardé mes Donc, techniques. le didacticiel. Allez, go. C'est parti. Je vous fais une petite ellipse sur le temps de chargement. Vous verrez que l'histoire est plein pas, mine de rien. Re, les amis. Voilà, comme vous pouvez voir, mon personnage magnifique. Pas mal personnalisé, mine de rien. C'est quand même vachement personnalisable. Mais on peut pas dire mieux. Ah, Sur Thomas. ce, on peut jouer à la première personne, Thomas comme dans 60. Skyrim, comme à la troisième 60, personne. Thomas. Présent. Alors, Boum! Pète leur je plomb. dirais les gants d'Apsu et les sang et les sandales d'Apsu, en fait, c'est juste que tu rajoutes les menottes. Ok. L'inutilité la plus totale. Alors attends, je vais peut-être monter un petit peu le son du jeu parce que mine de rien, on n'entend pas grand-chose. Peut-être pas. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la musique et je vais monter les dialogues. C'est Voilà. bien, contrairement à dans Skyrim, on peut parier. Oui, on peut parer même avec deux armes, oui. Et même avec un arc, on peut parer. Bah si, on... bah si, dans Skyrim, on peut parier. Non, pas avec deux armes et pas avec un arme. Enfin, pas avec un arc. Et pas avec deux armes, pas avec deux armes. Tu es prêt à partir Attends, dans la moi je prison fouille. des Moi je lamentations. fouille. Dans Une quoi? peau infâme. Tu sais, il y a toujours un truc à fouiller. La prison des lamentations, là? Mais non, mais c'est bon, j'ai fouillé. Là, je suis avec l'iris. Faut que je chope un truc sur le cadavre. Ah ben d'accord, il faut dire quand t'avances. Alors. Une Ouvrir. épée longue en fer. S'il vous plaît. Gardez votre arme en Voilà. main et Alors, oui, attendez. faut savoir que moi je joue comme dans Skyrim. C'est-à-dire, je fais attaque clic droit et parade clic gauche. Certains se diront, mais pourquoi c'est débile? Parce que moi, dans Skyrim, je jouais souvent avec une flamme dans la main gauche et une épée dans la main droite, ou une masse. Du coup, le fait de faire clic gauche pour attaquer avec la main droite et clic droit pour attaquer avec la main gauche, ça me paraissait très 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 con. Donc, autant vous dire que j'avais changé ça. Et donc, depuis, je me suis habitué, je joue à Chivalry pareil, etc. Moi, je te baise! Bam! Tu payes! Moi, d'ailleurs, j'ai dû faire des coco parce que j'arrivais même pas à sortir un de... Moi j'ai aussi ouais j'ai changé pas mal les touches hein. Je vais vous montrer ce que j'ai mis là. Frépo si vous voulez les mêmes. Honnêtement moi ça marche bien. Vous pouvez Ah oui, changer les clics droite, faut le clic dire gauche parce que hein. ça se trouve, les gens ne le savent pas. Ils ont peut-être pas été mis au courant. Mais oui, on l'a pas acheté avec l'abonnement. Maintenant, c'est Maintenant oui, disponible maintenant sans l'abonnement. on paye plus l'abonnement. C'est-à-dire maintenant il suffit juste d'avoir d'acheter le jeu et c'est bon. Ils n'arrivaient pas à fidéliser, du coup ça marchait pas. Comment tu fais pour ouvrir la prison? Tu attends que l'iris pète la porte avec sa hache. Ouais, c'est fait, mais bizarre. Deux secondes, j'ai mis up pour quoi là? Run, 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 run. Je t'attends pas, je suis un connard. Il y a du Action people ici ou principale, pas? acceptation. Est-ce qu'il y a du people? Il y a du people! On les baise! Bam! Bonjour, je Paye! suis buggé. Comment allez-vous? Parade! Comment on avait fait pour sortir? Zbeng! C'est qui elle? Je te bloque! Bang! Voilà, Attends, donc. pour sortir, t'as bien fait E? Ah Donc ben... voilà, alors attends, une petite pause pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui vient de se passer. Alors c'est le didacticiel. Donc en gros, là ce que je viens de faire, c'est qu'on vient de m'apprendre que quand on part les ennemis. Ça les stunt. Et ça marche pour les invocateurs de sorts, etc. Enfin, les mecs qui balancent des sorts, etc. Si on fait clic gauche et clic droit en même temps, ça les stunt pas, mais ça annule leur sort. Ce qui est quand même pas mal face à un mage puissant qui va vous balancer un truc qui one shot, quoi. Alors voilà, depuis tout à l'heure, je récupère des os. Ça sert pour les boss meurs. Ce serait pas moi les boss meurs d'ailleurs? Je sais jamais ce que c'est les boss meurs. Je crois que c'est les elfes des bois, ouais. Je crois que c'est les elfes des Regarde bois, bien les la boss meurs. vidéo quand même, hein. Regarde. Oui, je sais. Donc il y a les Altmer qui sont les OF, les Dawnmer qui sont les elfes noirs. Donc ouais, les Bossmer, ça doit être les OF, ouais, c'est ça. Les elfes des bois, excusez-moi. Les Altmer, c'est les OF. Voilà, bon bah alors j'ai tout volé comme un vieux sale.
Oh, il y a un Absou qui est pas mort ici. J'ai relancé le jeu, hein, tu m'attendras. Je peux pas. Fuck. Alors oui. Pour que vous compreniez bien le principe, je vais vous faire un peu l'explication un peu en avance. Ici, on est dans Havreglace. Donc Havreglace, c'est une partie de l'Oblivion, je dirais, je suis pas exactement sûr. Mais en gros, l'Oblivion, c'est là où vivent les Daedra. Et Daedra qui sont des dieux maléfiques. Il faut connaître un peu l'histoire de The Elder Scrolls quand même. Et donc, le Daedra de la colère, la violence, la guerre, je sais Je crois plus. que c'est la violence. Là, ouais, voilà. Enfin bon, Molag Bal, il essaye d'envahir le monde en profitant de la guerre entre les trois factions. Grâce à des ancres, comme vous avez pu voir dans les. Non, grâce à un mec. Oui, Un non, non, mec. non, c'est. Oui, non, mais ça, c'est l'histoire qu'ils verront au fur et à mesure. Ça, on n'est pas obligé de leur parler maintenant. Qui a un culte de verre et Non, tout. attends, non, non. Hey. Ça, ils verront plus tard si vous voulez avoir une série là-dessus. Non, c'est le principe, c'est comme vous avez vu dans la cinématique. D'ailleurs, la cinématique, vous pouvez aller sur YouTube pour avoir la Ouais. cinématique complète, l'histoire Ouais, parce que complète. là c'est un abrégé. C'est un abrégé. La cinématique complète elle est vraiment bien. On Ouais, l'a. c'est un film, c'est un Avant film. de d'acheter le jeu, on l'a vu plein plein de fois avec C'est Sixty. vraiment pas mal. Donc dedans, ce que vous avez vu, vous voyez à un moment une espèce des chaînes qui tombent du ciel avec des monstres qui en sortent. C'est les Eh encres bien ça, noires. ce sont les encres noires. Ce sont des events qui arrivent de temps en temps sur la map. Comme ça, où vous ouvrez votre Qui map vont et spawner des vous monstres. voyez une espèce de tornade sur la map. Et c'est un event. Donc si vous y allez, vous combattez les monstres. Mais depuis le début, Les quand on voit monstres ce truc sur la spéciaux. map, on run pour y aller. Quand on arrive, bah c'est fini. On n'a toujours pas réussi à en Y a faire. des prêtres qui invoquent Ouais, mais non, mais ça, l'encre en fait. Antoine, ça c'est pas forcément important pour l'instant. En gros, Molag Bal, le dieu de la violence, essaye d'envahir la terre avec des encres noires qui tombent du ciel. Voilà. Voilà. Voilà l'idée. Qui sont Donc là, très nous sommes enfermés pétasses. dans son royaume et on va essayer de s'enfuir. On verra les encres noires à la fin du didacticiel. Et là, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule parce que je suis tout petit. Non, je suis pas tout petit. Bon, je suis tout petit aussi. Elle, c'est une demi-géante, hein, on la prendra par la suite. On spoil pas. Hein. Voilà, je vous le spoil pas, mais c'est juste pour me trouver une excuse, voilà. Parce que vous verrez, elle a fait 2,10 m là actuellement. Je pense. Parce qu'on s'est créé des persos avant pour tester le jeu. Ouais, j'aurais montré. Et il était. Ouais, je sais que tu leur dis, mais franchement, la fille faisait 2m10, lui il faisait 1m60. Ouais, Ouais, 1,60 m. Ouais, 1,60 m. C'est ça. Enfin bon, c'est alors peut-être Blitz, des le monstres. temps que t'arrives, je vais faire une petite ellipse. A tout de Ok. suite. Voilà, Blitz est arrivé dans cette salle, il est en train de combattre actuellement, comme vous pouvez voir, c'est vachement glauque. Donc voilà, on vous a expliqué un petit peu le principe de l'histoire. Ouais. Je te Quand baise tu les veux. gars, je te baise. Non, pas quand C'est tu veux. dégueulasse, mais. Si, quand tu veux, tu l'as parlé à Iris? À 3, l'Iris? 2, 1. Le prophète, lui aussi, est prisonnier ici. C'était très dangereux pour lui de parler même un bref instant. Je dois estimer que vous pouvez m'aider. Clique pas, Blizz. Je fais au revoir, je vais monter le son des dialogues. Mince. Ouais. Ah, tu cliques si tu veux, toi. Dialogue, je vais mettre à fond. Un petit peu le volume général. Et baisser la musique. Alors, ça devrait être bon. Désolé, hein, mais. Le prophète, lui aussi, est prisonnier ici. Peut-être C'était très monter encore dangereux un pour peu. lui de Je parler fais même mes un bref didouillages, je suis désolé, mais. Mais bon, là, ça devrait être bon. Monter plus. Baisser plus. instant. C'est bon, j'ai fini le dialogue, comme ça j'ai le temps de fouiller et tout. Vas-y, fouille. Waouh, le panier avec des Lui est crânes! prisonnier ici. C'était très dangereux pour lui de vous parler même un bref instant. Il doit estimer que vous pouvez m'aider. Bosmer, c'est pour En toi, le non? libérant, bien sûr. Ouais. Croyez-moi, j'ai besoin de Des toute l'aide crânes, possible. c'est dégueulasse. Ce vieil aveugle est la seule personne vivante qui peut nous aider à faire le long voyage qui nous sépare de Tamriel. Ces tunnels nous mèneront autour des yeux. C'est là qu'on trouvera les sentinelles. Ce sont des assemblages magiques créés par Molag Bal pour guider sa Donc vision voilà à Molag Bal. Havreglace. Les sentinelles sont reliées. Si nous en détruisons une, Tu les leur autres as seront montré arrivées. Molag Bal. Avec de la chance, ça Non, nous c'est donnera qu'ils le temps ont de envie d'en libérer le parler. prophète. Mais lui aussi, c'est pas J'en suis possible. sûr. Et j'y répondrai du mieux que je peux. Bon, ça, je vais pas vous le faire, hein, je vous expliquerai au fur et à mesure. Pour gagner On du doit se temps un petit remettre peu. en route. Mais mieux vaut se remettre en route. Mais avant ça, mieux vaut encore monter le son des dialogues. Oui, je suis désolé. Tu me dis dès que tu passes la porte. J'y suis.
Alors attends, je run. 3. Non mais attends, moi je run là, je passe à côté d'autres mecs qui... Ah merde, c'est vrai, merde, c'est qu'on est arrivé par là, je suis con. Je viens de faire demi-tour en fait, je suis désolé. T'es sérieux? Voilà, allez, la porte. 3, 2, go. 1, parti. Les portes sont stylées dans la vraie glace. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, regardez, 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 regardez le mec. Ah. C'est déconseillé au moins de 18 ans. Déconseillé au moins de 18 ans. Bam, en... Oh. Tu vas payer pour ça. Non, je déconne. Parade. Non, c'est bon. Ah non, il me l'a mis en fait. Hein. Bon, je le déglingue. Paye. Tu payes. Tu payes. Tu payes. Tu le pars. Oh, il a payé. Hein. Bien joué, l'ami. Par la barbe d'Arquet, vous savez vous battre. Wow, classe le range HDP. De H, je veux faire pareil. Le dieu de la brutalité a conscience de... Voilà, le dieu de la brutalité. Pressez-vous. Ok. Alors, mets moi je vais commencer avec un peu de santé. Voilà. Donc là, on met les points de compétence. Ensuite, je dépense non, moi les je points. Magie. Je dépense les points. Et là, j'arrive au niveau des techniques, justement. Alors, assassinat, je vais prendre l'âme de l'assassin. C'est en fait... Alors, voyons voir s'ils font. Alors, je vais vous faire une petite ellipse, le temps de prendre en compte les techniques, parce que je me suis déjà fait un lame noire, mais je suis parti plus sur assassinat. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire un patchwork. Hein. Je prends une petite technique de là, une d'ombre, une de siphon, ensuite une des armes. En faisant un peu n'importe quoi, ça passe. Hein. Voilà. Allez, ellipse. C'est quoi? Voilà. Donc, j'ai choisi. Je vais partir sur siphon, je connais pas trop. C'est quoi? Et ça va être... c'est une de mes spécialisations de classe. Et après, on pourra se spécifier, vous voyez, arme à deux mains, une main bouclier, deux armes, arc, bâton de destruction. Pour l'instant, je connais un petit peu arc et deux armes. J'ai pris un lame noir et je viens de prendre siphon pour première technique. Et peux-tu nous expliquer un peu à quoi c'est? Parce que c'est... Alors, voilà. Alors, siphon, en fait, là, la technique que j'ai, en gros, c'est un peu de vol-vie. Je lui absorber sa vie pour me régénérer et lui faire pas mal de dégâts. D'accord. C'est... Vole la force vitale d'un ennemi, lui inflige 290 de dégâts et vous soigne de 25% des dégâts infligés quand tu veux à chaque 2 secondes. Donc en gros, en 8 secondes, c'est valide. T'as pris tous les... tout ce que tu lui as mis, tu l'as récupéré. Voilà. T'es prêt à franchir la porte? Je suis prêt à franchir la porte. 3, 2, 1. Run. J'aime, c'est des badges pas... magnétiques et tout qui font ça, mais... C'est ça, c'est en fait, tu passes ton badge de prisonnier. Empreinte. Ouais, on dirait des mécanismes d'Homer. La porte, c'est bizarre. Pas d'Homer, d'Homer. Les nains, quoi. Clairement, les nains. Allez, ça charge pas. Seigneur des manigances. Tu me regarderas, mais... C'est bon. Mais en fait, Molokba, il a plein de surnoms. Le seigneur des manigances... T'as vu mes tatouages Giril? Ouah. Le mec, t'es dans quoi? T'es dans Prison Break? C'est comment ça se passe? Et pourquoi je suis petit? Ah putain, je suis grand que la fille. Mais l'autre quoi? L'autre ça va? Ouais, je suis un demi géant. Non mais honnêtement, je suis pas petit là. Je suis pas petit. C'est lui qui se prend des personnages gigantesques à chaque fois. Moi, le mec, c'est très... Mais je suis pas exprès. C'est que je crois que j'ai eu. En vrai, il est plus petit que moi. En vrai, il est plus petit que moi. Mais là, lui. Non, t'es plus vieux. C'est son complexe. Voilà. Oh, j'ai envie de me balader comme ça. À poil. Ou à poil, de toute façon ça augmente rien. Bah oui, de toute façon. Vas-y, on fait ça. On fait les ninjas nudistes. On garde le pantalon quand même. Ouais, on garde le pantalon quand même, c'est ce que j'ai rien à me dire. Parce que autrement, c'est fait ça. Hein. Coucou. Et t'es prêt, Sixty? Un pied nu ou pas? Bon, allez, les chaussures aussi. Juste là, les mecs, c'est les beaux gosses. Quoi. Mais... Non, mais les chaussures, on les voit pas. Y'a pas de chaussures. Les gants, c'est pareil. Allez. Hey. Yeah. Les mecs qui ont la classe. Putain, mais t'as pris la même coiffure que moi. Eh, Sixty. Mais t'as pris la même coiffure que moi, bâtard. Sixty, est-ce que t'es prêt? Ouais. Regarde-moi. Hermione Power. Oh, Hermione Power, le mec. Le mec, il fourre sa main dans son sac, il leur sort une épée à deux mains, quoi. C'était une idée que j'avais eue. Mais sans déconner, pour tous ceux qui auront vu Harry Potter, au moins le film, si vous n'avez pas lu le livre... Mais Hermione avait... Vous voyez de quel sac je parle, quoi. Le sac de... Ouah, la cuirasse en fer. Déjà? Ouais.
sérieux. File la bois au moins, t'es un mage, mon gars. Cet homme est un archer. Voilà, bon alors, j'ai une... On explore un peu. Et je vais la mettre, hein. Oh, regarde, ma cuirasse en fer. Ça, c'est Hermione Power, oh, le mec. Voilà, il cherche dans son petit sac, comme ça. Dans son petit sac. Et dedans, il y a une épée à deux mains, trois armures. Tu l'avais ou pas, la cuirasse? Mais je préfère me balader à poil. Oh, Catif. J'arrive. Technique, je t'absorbe la vie. Comment donc, vous avez dit que vous vous appelez déjà? J'ai bugué. Mannequin d'entraînement. Donc oui, pour l'instant, je suis... Ok, un petit peu un archer avec une épée à deux mains. Mais Blizz est un mage avec une épée à deux mains, donc on s'en fout. Ah, une dague. Une dague, je crois qu'elle va faire plus de dégâts que l'épée à deux mains. Magie. Oh. Ah non, elle fait pas plus de dégâts, mais je vais la prendre quand même parce que me battre avec une épée à deux mains, ça me... Est-ce que tu l'as vu, sérieux? Je conviens pas des masses. Regarde-moi. Ouais, c'est une dague, ça. Ah. Oh, le porc. Oh, le... Oh, c'est dégueulasse, il a moitié pourri. Ah mais mon gars, on est dans les... Viande blanche. On est chez... Waouh, ouais, il y a un monstre là. Ouais, tu payes. Et regarde, 60. Est-ce qu'il y a un mec qui veut bien se décider à mourir? Ok. Alors oui, je sais lui. Même pas où t'es toi. Oh, regarde ce qu'il y a là. Ah non, c'est... je crois que c'est un... Derrière, terme. Regarde derrière. Attention. Oh. Ouais, il me tape. Oh, oh joli. Joli, c'est toi qui l'as mis à terre comme ça? Ouais, c'est moi. C'est moi, les mecs. Ça va, la joie de vivre et tout? Non. Et Oh, j'ai une dague en fer de 168. Oh, vas-y, donne-la-moi, s'il te plaît. De l'argent. Non, j'ai pas d'argent. Mais mec, t'as même pas d'argent. Si, j'ai très exactement 0 pièces d'or. Moi, j'ai 6. Bon, allez, file-moi. Oh, non, pas de l'argent, dague. Viens vers moi. Ah, donc oui, il n'y a pas beaucoup de cooldown sur les trucs, excepté sur les ultis. Il n'y en a même pas du tout. Et faut, c'est le spam de technique ne suffit pas, hein, dans ce jeu. Ah oui. La parade et l'esquive, on peut faire des roulades contre, face au mec qui charge, un truc comme ça. C'est vraiment bien. C'est essentiel, donc, je dirais. Oh, Blitz, where are you, my bro? Je suis en train de me faire attaquer par un truc bidule. Ok, bonne chance. Et si que tu vas pas l'aider? Bah non, sinon je serais pas un connard. Ouais, je peux faire ça tout en bougeant. Ouais, mais... T'as n'empêche, on est trop classe, les mecs qui se baladent à poil. Bâton de rétablissement par contre, en érable. Oh, c'est nul. Oui, c'est un bâton de heal. Oh, c'est nul. Esquive. Non, raté. Échec de la roulade. Donc ouais Blizz, on ne doit pas être loin des 20 minutes là, mais je pense que cette vidéo on va quand même la faire un petit peu longue, ça va être la première vidéo, voilà, c'est pour vous donner envie. Donc on va abuser. Pareil que dans Skyrim, ben un voilà. Crochetage, tout ça. Bon, c'est pas la même manière de crocheter, mais c'est sympa. Esta est mieux. Esta est mieux, bah si Esta est mieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Esta est bien. Alors, where are you? My friends. Ah mais on n'est pas en groupe, hey, hey. Forcément qu'on se trouve pas. Et il faut que... Eh, on s'est même pas mis en ami. Voilà. Bon allez, assis-toi en ami. J'étais en ami. Comment ça se fait? Parce que je t'avais ajouté en ami. Tiens, je t'invite. T'es où? Y a une âme qui essaie de me bouffer. Sérieux? Ouais. What does the shit? Des pommes de terre. Bon, on sait pas d'où ça, mais je pense qu'on va... Mais derrière toi, je suis derrière toi, je veux la dague, moi. T'as vu, T'as vu, elle veut te bouffer. Ouais, bah moi pas. Et moi, elle crie. Parce qu'elle est pas bonne. Drôle de blague. Oh, tiens, Antoine, d'accord. Je t'échange tout ça. Et bah tu revois, ouais. Merci. Alors voilà, dague en fer. Et maintenant, j'ai une deuxième dague en fer. Voilà, c'est quand même mieux. Oh! T'es attaqué derrière toi. C'est nul, ça fait pas des bouboules. Ça fait ça. Parade! Alors là, il se préparait à charger, le mec. Je crois. Bon, peut-être que farmer des mobs, ça va aller bien 5 minutes, mais...
Allez, on va faire la mission. On va détruire une des sentinelles. Bon, il y en a une ici. Oh, Hermione Power. Voilà ce que j'ai à dire. Ouh, il y a du people ici. Blitz prêt pour le combat face au people. People. Merde. Je fais aucun dégât. Moi c'est nul, je peux pas charger. Comment je fais trop de dégâts à la tag. Je comprends même pas pourquoi je peux pas charger. Peut-être parce que t'as pas de charge. Non mais charger le bâton. Bon moi je t'attends pas un Blitz, j'avance. Par contre oui voilà c'est comme dans contrairement à Skyrim. Ah si c'est que je voyais pas la vue descendre, j'étais buggy. Voilà. Alors ça par exemple vaut mieux parer hein. Vous invitez parade. Cuirasse sans fer, mais j'ai que des cuirasses sans fer dis donc. Ouais j'ai gagné un autre point de compétence Blitz. Sérieux comment t'as fait? Bah je viens de buter des mobs. Allez magie. Mais du coup j'ai ah oui moi aussi. J'ai des points de compétence mais j'aimerais bien le mettre dans arc mais pour ça il faudrait que j'ai un arc alors est-ce que je les mets dans deux armes? Ça sera toujours utile de toute façon vu que à partir du niveau 15 on peut basculer vers deux armes donc là j'aurai arc et j'aurai mes deux dagues là. Donc quand je me retrouve au corps à corps, bah au lieu de se retrouver avec un arc au corps à corps qui est pas conseillé. Hop. Voilà. Ça par exemple, je vais l'esquiver. Bon alors Blitz. Oh. J'arrive vers toi. Ouais, ils sont tous ouverts les corps. Putain, je trouve plein d'eau naturelle. J'en ai un peu rien à foutre en fait. Allez. J'attends pas parce que je suis un connard. Attends, t'es passé par où en fait? T'es monté là? Oui, bah regarde la map. N'empêche, on a trop la classe à poil. Hey, regarde mon perso, sérieux. Ouais. J'envoie un fucking éclair. Et donc, comme dans Skyrim, hein, furtivité. Magie noire. Je sais pas où t'es, Blizz. Là, je viens de monter. Ah. Deux pièces d'or. Très appréciable. Ok, allez. Donc. Oh, je peux faire ça direct, moi, du coup. Je suis un. Furtif. Je te baise. T'as vu les boules que j'envoie? Ouais, je vois ça. Du coup, t'es. Ah oui, c'est bon, t'as déjà un bâton. Ah oui, j'en ai même deux. Et ça, c'est un bâton de dégâts? Ouais, c'est un bâton de foudre. Oh, bien. Est-ce qu'on descend par là au risque tu de peux se charger. Si tu gardes appuyé, ça fait une plus grosse boule. Je sais. Allez. Et non, je te déconseille. La dernière fois, il était passé par là, il est tombé dans un truc, dans un troupeau de monstres. Je te tranche. Regarde, regarde. Mince. Ah. What? Boum. Ah bah alors celle-là. Celle-là, je l'ai prise en pleine gueule. Boum. C'était toi ça? Ouais. Combien? Je me fais encore taper? Non, c'est bon. Alors, est-ce que je vais enfin pouvoir le mettre? Ah! C'est plus agréable que d'être à poil! Même si être à poil, c'était quand même vachement agréable. Bonjour, mademoiselle, j'arrive plus à m'arrêter de courir, je suis bugué, excusez-moi. Vas-y, je suis là! T'aurais pas volé? Un petit peu. Quoi? Oui. Non. Alors, allez, on va à la cellule. Donc, en fait, voilà, explication. Avant ça, petite pause d'explication. Le prophète, je vais mettre brancher ma batterie parce que batterie. Le prophète, c'est quelqu'un dont on connaît pas grand-chose pour l'instant, mais on sait que pendant qu'il était encore en Tamriel, c'était un puissant mage. Mais depuis, il est enfermé ici avec l'Iris. Par Molagbal en personne. Et nous sommes morts. Clairement, on a été tués. Et on se retrouve ici dans Havreglas. Parce qu'on a été sacrifié en fait. Sur un hôtel, une connerie comme ça. Et il n'y a que elle, donc l'Iris et le prophète qui sont encore vivants. Quoi. Et donc ils vont essayer de nous faire sortir de là. Voilà le principe. Le son est trop bien.
None can escape my prison of cold harbor. Ce qui est con, c'est que si je maintiens comme ça, si je maintiens alors que je suis en combat, ben ça a fait un flux continu. Ah ouais. Bonjour à la Iris. Ouais. La destruction de la sentinelle a dû activer ses défenses. On doit trouver un autre moyen d'entrer. Peut-être que Cadwell peut nous aider. Cadwell est le plus vieux des Absous. Après des années de souffrance, les Absous finissent par devenir fous et enragés. Mais pas Cadwell. Il était déjà fou avant de quitter Tamriel. Aussi cinglé qu'on peut l'être, mais inoffensif. Donc les Absous, c'est nous. C'est ceux qui ont été sacrifiés pour Molagbal. Et au fur et à mesure, ils deviennent fous. Et voilà. C'est des zombies. Havreglace est un endroit merveilleux. Ceux qui voulaient me bouffer, ceux qui sont en cage, en fait. Il connaît les lieux comme le creux de sa main. D'habitude, il est près de la rivière. Allons le trouver. Rocher. Donc en gros, quand ils deviennent trop vieux, ils deviennent fous, c'est des zombies. Le seul truc, c'est que Cadwell, il est vieux, mais il n'est jamais devenu fou parce qu'il l'a toujours été, en fait. c'est soigner le mal par le mal. Ouais, très bien. C'est parce que tu n'es... Voilà, il n'est pas devenu fou, il l'a toujours été. C'est ça. Alors. Voilà. Alors, si vous trouvez à qui appartient cette voix, dans quel film, dans quel jeu, dans quel quoi, dites-le dans les commentaires, merci, parce que je cherche, mais j'ai jamais trouvé. Hé, à qui ai-je l'honneur ? Vous vous promenez ? C'est la journée idéale pour ça. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose, parce que moi, ça me dit quelque chose, mais vraiment, et tous ceux que j'ai demandé, ça leur dit quelque chose, mais jamais ils trouvent. Ouais, moi aussi ça me dit quelque chose. Sir Cadwell, en effet, c'est un plaisir. Et la belle Iris, ravie de vous voir, ma chère, comment allez-vous? Eh bien. En fait, comme il y a des zombies autour de lui, il met une casserole pour pas qu'il bouffe les cerveaux. Il se trouve que je connais une autre entrée. On est dans World War Z, mon gars. Ok. C'est même une belle petite promenade. Des de cadavres et de sales bêtes pour combler l'espace entre tout ça. Cool. Je veux dire, moche. Prudemment, je pense. Gare où vous mettez les pieds. Relevez le nez et attention aux pièges. Et vous devrez sans doute courir et enfoncer quelques crânes, je le crains. Suivez la rivière. Vous trouverez la porte de la crypte au bout. Merci. Une fois dedans, restez dans la lumière et vous trouverez une échelle qui vous mènera droit au prophète. La vidéo, c'est bien. Ouais. Relancer. Ok, merci beaucoup. Bon, je vous passe ça parce que c'est des petits détails. T'aurais pu les faire vite fait pour qu'ils puissent faire pause. C'est probablement un vrai coup de gorge. Mieux vaut être prudent. Donc, on va croiser plein de zombies. C'est ce que ça veut dire. Bonjour messieurs, je vous fais envie. J'allais dire, ils me font envie, mais non, pas du tout. Déverrouillé, tribal. Ils me répondent, bah, plus vite on pourra sortir. Ah oui, c'est. Donc voilà, le déverrouillage n'est pas comme dans Skyrim, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais. On s'y fait vite, hein. Oui. Moi au début, je disais, ouais, c'est la merde. Je disais, ouais, c'est nul, mais en fait, c'est quand le truc commence à bouger, ça veut dire que c'est le moment de lâcher, voilà. Et finalement, là, Thomas arrivait pas et maintenant j'arrive bien mieux que Thomas. Ouais. Je me rate quelques fois, mais faut pas déconner non plus. Est-ce que tu me vois ou pas? Pour l'instant, je ne te vois pas, mais ouais, je pense que... Moi, je te vois. Ouais, moi, je te vois. C'est bon. Regarde les mecs. T'es prêt? Je regarde, vas-y. Regarde. T'as vu, il y a un flux, là. Continue. Oh. Et comment tu fais ça? Ben, en gardant appuyé. Oh, donc c'est ça le pouvoir de... Du truc magique. D'accord. Donc là, je viens de retrouver une épée dans un cadavre. Mais dans un cadavre. C'est la lettre et tout. Ouais, à mon avis, c'est pas ça le plus surprenant. C'est pas de trouver une épée dans un cadavre. Oh, il est frappé par la foudre. Ah, je l'avais pas vu. Une autre épée. Alors. Dague en fer dans l'urne. Sérieux? Moi, la mienne est vide. Et là, j'ai du bifle-feuille. Du bifle-feuille. Donc oui, alors oui. Bien foutu par rapport à vous. Si Antoine fouille quelque chose et que le refouille derrière, lui, il aura vidé, mais pour moi, ça sera toujours rempli. Pas forcément avec les mêmes choses, ça sera toujours rempli. Excepté pour les coffres pour lesquels il y a besoin de les déverrouiller. Soulerai en fer. J'ai peut-être les mettre. Tu veux bien quitter ton combat, s'il te plaît, que je puisse mettre... Ah oui, moi aussi, mais...
Ah non, c'est c'est Lisa là. C'est Lydia. Enfin non, pas Lydia. Lydia, c'est pas la même. Iris. C'est je dis Iris. Ah oui, mais c'est ta Iris à toi. Ouais, c'est ma Iris. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok, ça passe. Alors. Oh là, c'est classe. Explorons, explorons. Go. Ah oui, tous ces trucs là, c'est des pièges. Hein. À mon avis, vous en serez pas douté si j'avais pas donné l'explication. Waouh, waouh, waouh. Ça passe. Je suis passé. Un collier en grenat. Tiens. De l'eau naturelle. Je pense que tu voudras le collier en grenat. Bah alors celle-là, je l'ai prise. Moi, je voudrais bien. Qui te donne de la robustesse. Ah, j'apprécierais. Je m'en fous de toi. Hop. Alors. Oui, l'interface est très. Ouais, l'interface est belle, hein. Il vaut des sous, hein. Vends-le pas. Non, non, je me l'équipe. Oui, ce qui est complètement débile, hein. Il vaut des sous, vends-le pas, c'est complètement débile. Attends deux secondes, reste là, Blitz, je vais leur montrer l'interface. Voilà. Et c'est comme ça qu'on. Oh, il y a un squelette dans la cage qui bouge. On dirait Brook. Et là, il va prendre sa guitare et va nous faire yo. Oh. Brook dans One Piece, bien sûr. Non, non, Brook dans. Quel enfer. Putain, j'ai que de l'armure lourde. Je sais pas, je trouverai pas d'exemple. Ah oui, oui. Moi aussi, j'ai que de l'armure lourde. Tout ce qui est gain, tout ce qui est, enfin, tout ce qui est ceinture et tout, c'est en fait, c'est des trucs sur le nombril. Alors là, on aurait pu l'interrompre. Ah bon, si on l'avait pas tué. Alors Blizz, est-ce que ça t'intéresse une ceinture mais légère? C'est-à-dire pas pour gros bourrin. Ça dépend, c'est quoi? Ça fait du combien? Bah, je vais te dire ça quand tu m'auras accepté. Baudrier artisanal 13. Oh bah non, j'ai du 43. Oui, mais c'est pas de l'armure lourde, peut-être, mais c'est de l'armure lourde, c'est pas grave, hein, pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai que là, c'est pas extrêmement. Waouh, 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 ça, c'est un absolu. Coucher. Coucher, j'ai dit. Désolé, vous avez mal. Oui, là, on mâche les techniques, mais là. On... Oh, moi, je mâche pas du tout les techniques. Oh, oh fuck, il est ouvert, je suis deg. Ah, je me suis dit, il bouge le squelette. Allez, on va jouer à la première personne. Fuck la police. Oh, oh. En fait, c'est trop classe. Moi, je viens d'avoir une masse d'armes en fer, ça t'intéresse? Non, j'ai un truc en fait, c'est... Il charge... Ouais, je suis un mage, ça m'intéresse. J'ai un truc qui fait un peu comme dans Flash Morgan, les frères... Mardon. Ouais. Ben, le frère, là, tu sais, il fait une sorte de boule, là. Eh ben moi je fais pareil sauf violette. Ah. Une boule violette en fait. Je sais absolument pas de quoi tu me parles, mais c'est pas grave. Un peu, mais comme un gros morceau de grêle violet. Ah. Enfin faut pas trop spoil toi qu'à faire. Oh, une masse. J'avais déjà pris le bouclier mais j'avais jamais vu la masse. Et c'est trop classe. Ah oui, je. Bouclier. Okay. Et masse. Alors est-ce que ça t'intéresse du coup un baudrier. Oh, ben, de 16, non, t'as du 43. Ah, mais c'est du lourd que tu portes aussi, toi. Certes, certes. Run, run, nan, nan, nan. Wow, wow, déjà, tu retournes de là où tu viens, c'est-à-dire de la tombe. Quand t'as plus de H, oh, c'est vraiment trop classe, hein. On est vraiment très moche. Je pense que je vais bien aimer cette spé là, siphon. Ça m'a l'air pas mal. Moi aussi. Ça siphonne les trucs. Mais moi, pour l'instant, je joue. Que l'âme noire, j'ai mon Ra's al Ghul là qui est un guerrier dragon, mais il est que niveau 2 ou 3 donc j'ai tout juste fini le tuto quoi donc 3. Attends, attends, il y avait des urnes, ah, mais sont vides. Attends, ouverture. Ouais, elles sont fouilles. Ceinture, voilà. Présent, bon, c'est toujours ça. Donc, ça, c'est toujours la même chose, le diagiciel hein, pour la tout le monde, hein, ouais. Donc, les races. On n'a pas croisé les pièges. Non, oui, là on se voit plus là. Ouais, là on se voit plus. Très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé ici en un seul morceau et que le prophète a l'air indemne. La mauvaise, on voit des boules c'est de glace. Le ramener entier en Tamriel. Je viens pas avec vous.
Elle va se sacrifier. Bonjour, monsieur le prophète. Ah, les sons sont plutôt bien. Moi, j'apprécie. Le moment va être classe. Et oui, je vous le dis, là, l'image est plutôt belle. Hein. Honnêtement, moi, j'aime bien. Mais je suis en moyen, hein. Je suis même pas en haut. Hein. Alors, je vous parle pas de l'ultra. Parle à l'Iris Titan. La seule ouais. façon pour le président. Elle est grande parce que, quand même, elle s'appelle l'Iris Titan. Hein. Tu dois prendre celle du prophète. Ouais. Après, je dis ça, je dis rien. Je préférerais que ce soit le cas. Mais je vois aucun autre être vivant, il me semble. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Voilà, la balle n'est pas arrêtée. Il va détruire tous les gens et tous les lieux que nous avons toujours aimés. Je suis prêt, je vous attends. C'est que pour faire sortir un être vivant, il faut qu'un être vivant reste. Enfin, non, pour faire sortir un mort, il faut sacrifier un vivant. C'est le principe. Sauf que le prophète, il n'est pas non plus mort, c'est juste que... Le prophète il symbolise beaucoup de choses, l'Iris l'a dit. Et du coup, ben, les Dédras... On n'en sait pas trop sur lui, mais il est vachement important. Ouais. Les Dédras, ils peuvent pas le... Allez, il va falloir la défendre, là. Venez, suppôt de Satan. Enfin, je suis en suppôt de Molagbal. Viens à moi et meurs. Esquive. Moi, je vais activer les pilots. Pivot obscur activé. Et non. Il m'aura pas comme ça. Paye. Moi, je les défonce, hein. Ah, mais moi, je les démonte aussi, hein. Vas-y, Lyris, pendant que tu hurles de douleur, moi, je vais choper des dagues dans les urnes. Oh ça. Ils viennent d'échanger. Ah, bah, j'ai pas vu. Ah, non, c'est que c'est pas encore fait, moi. Allez, pivot obscur, j'active. Mec, il est no stress, quoi. Activation. L'activation. Ah, j'avais jamais vu. Activation. Radis, c'est de la merde, ok. Attention. Radis, c'est de la merde. Boum. Bonne chance, Lyris, on viendra te chercher, promis. La liberté. Lyris, je sais que t'es là. Les divins. Vous allez bien. C'est tout. Tu me dis, dès que tu parles au prophète. Mais c'est fait. Lyris a tout ça. Mais bravo. J'aimerais pouvoir. Mais je vous le promets, une fois que nous aurons fui Havreglas, nous trouverons ensemble un moyen de la secourir. Vestige, c'est le nom que je vous ai donné. Vous n'êtes qu'un reliquat de votre ancien vous. Un être sans âme. Un récipient vide qui désire être rempli. Vestige. Ouais, bah reste poli, s'il te plaît. Les parchemins l'avaient prédit, mais j'avais imaginé les choses différemment. Donc les parchemins, là il parle du des parchemins des anciens, donc les Elder Scrolls justement, les fameux Elder Scrolls. Scrolls, parchemins, Elder, anciens. Perdu, même pour moi. Des années de tourments ont prévu. Eh, s'il est même pas capable de se reconnaître vite. Avec son nom, quoi. Nous hâter jusqu'à l'encre. Se rappeler de son nom. Les encres sont des machines d'Edric, issues de la magie la plus noire. Leur chaîne enserre notre monde et la tire vers Havreglas. Je peux me servir d'une de ces encres pour nous ramener vers Tamriel, mais vous devez m'y mener. Ok, vous auriez pas de moi. Nous devons aller à l'ancrage. Pour un aveugle, il court vachement vite, hein. Je sais pas vous, mais. Crochet, c'est toujours bien de faire le plan de crochet. Hein. Ah, du coup, je te vois là, Blizz. Ah bon? Ah, voici les encres. Ah oui, normalement image. Il y en a qu'une. Attends, attends, je suis pas encore là moi. Tu parles? Donc, oui, Blizz, on a quasi. À mon avis, on a dépassé les 40 minutes déjà. Ça va ouais, être un gros épisode. Après ce. Ils sont pas tous comme ça, rassurez-vous. Après celui-là, on stoppe. Bah, après, on finit le didacticiel. Et voilà. Ah, au point où on a relancé, j'espère qu'il a relancé. Oui, bien sûr. Donc t'es déjà parti là? Oui là je suis rentré par contre. Ouais. Donc, normalement les fameuses encres. Hein. Oui. Normalement il y en a une seule. Hein. Une seule d'encre. Quelle vanité. Bientôt votre monde. Venez, je vous protégerai. Protège que dalle, vas-y protège. Non.
Connard. Tu payes, tu payes, tu payes. Je lag, je lag, je lag. Vous avez que 7 FPS. Il veut pas tomber. Allez, tu payes. Non. Laisse-moi tranquille. Meurs. Boum. Je l'ai eu. Wouhou. J'ai gagné un collier d'os. Niveau 2. Moi aussi. Je vais le mettre. Je parle au prophète ? Bah dans 3, 2, 1, tout de suite. Le portail de l'encre noire est loin au-dessus de nous. Je vais préparer un sort pour nous élever jusqu'à lui. Mais d'abord, la céleste. Vous devez vous réharmoniser avec Nirn pour retrouver votre forme physique. Pour cela, il vous faudra un éclat céleste. Un éclat de magie éthérique qui contient l'essence de Nirn. D'aucuns les attribuent à l'Orcan, le dieu manquant de la création. Si vous le ramassez et absorbez, oh, le mec, pouvoir, il peut absorber les... il peut invoquer les éclats célestes. Je vais en invoquer un pour que vous l'absorbiez. Vas-y, prophète. On prend l'éclat céleste en même temps. Qu'il soit aveugle. On prend l'éclat céleste en même temps. Et conférez-nous votre bénédiction. Shri. Attends, mais attends, il s'est pas fait, moi. Vite, pas besoin de le faire ensemble, on le fait. Hop, j'absorbe le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. C'est quand même vachement classe. Claire. Voilà le principe. Donc la sortie est tout là-haut. Et regarde le fond, mec. Que la voix c'est immense. Que ces âmes errantes retrouvent le chemin de leur demeure. Que la volonté de Molag Bal soit contrariée. Ça, j'approuve. What? Vite, en fait, il y a un mec qui fait un kamehameha en bas, en fait. C'est bon. Alors, faisons ça de manière classe. YOLO. Moi, ça me l'a mis tout seul. What? J'étais un peu trop proche, du coup. Et voilà. Oh. Et voilà, donc sur ce, voilà, on a fini le Dilakiciel. Donc la vidéo va s'arrêter là. On espère que ça vous aura plu. Si c'est un like, on verra. Et un commentaire. À comprendre si ça vous plaît, à comprendre ce qui vous plaît, à comprendre aussi ce qui vous plaît pas et pourquoi ça vous plaît pas. Voilà. Tout à fait. Sixty l'a très bien résumé. Sur ce, passez le temps de chargement et puis on va se retrouver. On va se pour, quitter la prochaine là-dessus. Ouais. Si je s'éveille une fois de plus. Venez, nous devons parler. Et voilà, donc la vidéo va s'arrêter là. Alors qu'on est dans la ville des elfes. Sérieux ? Au niveau du domaine Almeri qui est ici, d'accord. Donc, oh, là nous classe, se connaissent les éboulis avec le cœur ébène ici. Donc la capitale des... Dehors, la loi est très loin quand même. Hein. Ouais, la capitale des Dunmer, donc des elfes noirs, donc là où on était. Très très belle. Je crois. Montre les éboulis. Oui, c'est ce que je viens de montrer. Je trouve que c'est bien plus classe le là où désert. On est, c'est ça, le désert des Al'Aqil. Voilà. Donc là, ça doit être là que spawnent les autres. Ouais, c'est ça, Sentinelle. Donc c'est ça, ouais. Voilà. Donc c'est là que spawnent les autres. La dernière faction, l'Alliance de Daxilant et le domaine Almeri. Ici, dans cette ville qui s'appelle comment ? Le guet de Oh, je qui crois que j'ai trouvé la caverne d'Ali Baba. Vulkel, qui s'appelle. Je crois que j'ai trouvé la caverne d'Ali Baba. Voilà. Sur ce. Sérieusement. Ah, si tu le dis. J'ai sur plein... ce, on va voler j'ai des un bouteilles. Arc. Ah non, c'est vide. J'ai un arc. Ah, tu me le donneras. Sur ce, on va s'arrêter là. On va se quitter. Voilà. Salut, salut les amis, et à la prochaine. Et à la prochaine, n'oubliez pas les commentaires. Ni un like, et etc. Vous avez aimé la vidéo. Allez, bye.